Connaissez-vous les vagues d'Elliott Normalement, vous en avez déjà sûrement entendu parler sur des vidéos, sur des vlogs ou sur de l'analyse chartiste. Et à raison, parce que c'est une théorie énormément utilisée sur les marchés depuis pas mal de temps. Que ce soit le marché crypto, le marché action, le marché forex, etc., etc. Et cette théorie nous dit que durant les tendances, que ce soit haussière ou baissière, le marché a des patterns. Donc durant une tendance haussière, elle va avoir certains patterns que vous allez pouvoir reconnaître. À Partir d'un certain moment, et si vous les reconnaissez, et eh ben vous allez pouvoir appliquer la théorie des vagues d'Eliot et donc d'essayer, mais évidemment, de deviner ce qui peut se passer dans le futur. On reste quand même sur des figures chartistes, ça ne fonctionne pas à 100%, mais c'est un outil qui est extrêmement connu. S'il est extrêmement connu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de traders qui l'utilisent et donc ils peuvent prévoir un peu comme les Fibonacci ce qui va se passer, et étant donné qu'ils prévoient, et eh ben ça se concrétise et donc le marché va soit baisser ou augmenter en fonction de ce qui aurait dû se passer par rapport à la figure. Donc c'est extrêmement utile de le voir aujourd'hui, il utilise les Fibonacci qu'on a pu voir juste avant et donc combiner les deux, ça peut être un très très bel outil pour votre analyse future et pour votre trading. Rapidement juste avant de commencer, Bitget offre pour les nouveaux inscrits via le lien d'affiliation CryptoRobot qui est dans la description. Des bonus de trading que vous pouvez avoir via des boîtes mystères. Si vous avez des boîtes mystères, vous allez pouvoir gagner entre à peu près 10 dollars jusqu'à 500 dollars de bonus de trading après un premier dépôt de 200 dollars. De toute façon, on vous met toutes les conditions dans la description ainsi que le lien d'affiliation. La théorie d'Elliott est extrêmement simple. On a des tendances elles sont ou haussières, quels que soient les marchés. Donc à l'époque, c'était surtout equity et forex. Et à l'intérieur de ces tendances, de ces grosses phases, de ces grosses dynamiques très claires, eh ben, on a des patterns qui se répètent. Et si vous arrivez à repérer les patterns et à se dire « Ok, bah là, j'ai les premiers patterns qui se répètent, donc je peux être dans une configuration de vague d'Elliott. et eh bien je peux essayer de prévoir mes entrées et mes sorties en position » En fonction de ce qui devrait se passer dans le futur, là par exemple sur l'image, on a une vague d'éliottes très classique avec tendance haussière, tendance baissière. Dans la tendance haussière, on a ce qu'on appelle, qu appelle les motifs avec plusieurs patterns que vous pouvez voir juste ici et qui normalement doivent se répéter. Alors, normalement, hein, qui doivent se répéter sur différents marchés. Première vague d'impulsion pour arriver au point 1. Première vague de retracement pour arriver au point 2, cette vague de retracement ne peut pas finir en dessous du début de la vague 1. Puis après, deuxième vague d'impulsion pour arriver au point 3, retracement encore une fois, le point 4 ne peut pas être en dessous du point 1. Troisième vague d'impulsion pour arriver au point 5, qui est à peu près notre ATH local. Puis, cassure de la tendance, on passe en tendance inverse, on redescend pour le point A, et là on arrive à un moment où les gens se disent, ok bah. Je suis en tendance, en tendance haussière, je n'ai pas envie de croire que la tendance est terminée, et c'est ce qui se passe à chaque fois, il y a beaucoup de FOMO, les gens n'ont pas envie d'y croire, et donc ils rachètent parce que c'est un point bas, et c'est vrai, ils rachètent, c'est un point intéressant à acheter, dans le sens où on serait dans, un, dans une tendance haussière, ils rachètent, ça remonte, et on le voit très très bien, on va le voir tout à l'heure sur BTC, ça s'est passé exactement comme ça, et enfin on est clairement dans un marché baissier, pression de vente, et là on a une très grosse euh, leg. Vague baissière pour arriver au point C qui est le point final et après on peut arriver dans une petite période de range et repartir sur un cycle juste après. Donc ça c'est clairement la configuration extrêmement simple des vagues d'Elliott qu'on va essayer de regarder sur le BTC. Sur le BTC je vous ai mis l'historique entre à peu près aujourd'hui et le début du bull run de 2020 à peu près septembre, juillet 2020. Pourquoi je vous ai montré ça Parce que on va avoir clairement les deux côtés. D'un côté, la tendance haussière avec les cinq vagues, puis la tendance baissière avec les 3 vagues. Et on va le voir très clairement, ça marche très, très bien sur du daily, sur le BTC, donc un très bel actif. Et ça marche aussi sur plein d'autres tokens et aussi sur d'autres timeframes. À l'intérieur d'une vague d'Eliot sur une timeframe relativement élevée, comme le daily, vous allez avoir une peu plus petite vague d'Eliot sur du 1h, etc., etc., donc on va regarder ce qui s'est passé historiquement, voir comment on aurait pu rentrer en position ou sortir de position en fonction de ce que les vagues d'Eliot peuvent nous dire, et de comprendre, ok, je n'ai pas forcément besoin d'attendre la formation complète de la vague d'Eliot pour essayer d'aller rentrer en position à des moments intéressants en DCA. Vous pouvez très bien rentrer en DCA à intervalles réguliers, mais vous pouvez aussi vous dire, bah, je vais rentrer en DCA à chaque fois que j'arrive à un endroit intéressant du marché. Donc, encore une fois, vous pouvez rentrer en DCA à chaque fois que votre token casse un support à la baisse sur l'indicateur support résistance automatique, mais vous pouvez aussi le faire via des Fibos et aussi encore plus précis avec les vagues d'Eliot. Donc, on va arriver déjà au tout début, la, constru la construction de la vague. Ce qu'il faut, c'est vraiment définir le début de la tendance. Alors, juste avant le début de la tendance, on a eu ce qu'on a appelé le crash Covid, qui était clairement un événement de marché, qui n'était pas prévu. On était relativement dans une tendance de range. Alors, même si c'est là, on est de 7000 à 8000, donc il y a quand même des gros écarts, mais relativement en range. Et ça a commencé à vraiment exploser à ce point-là. Donc, je me dis, OK, je vais déterminer mon point 0, juste là, le point là. Donc, on va se dire, je rentre ici. Hop, première impulsion jusqu'à mon point A et après, première baisse, première correction jusqu'à mon point 2, mon point 2 qui n'est pas en dessous du début de ma tendance. Donc ici, c'est validé. 0, 1, 2. Pour l'instant, tout va bien. Après, je vais avoir une deuxième phase d'impulsion pour arriver à mon point 3, juste ici. Et là, vous allez me dire, ok, mais entre ton point 2 et ton point 3, il s'est quand même passé des événements de marché. Il y a eu des, quelques ATH locaux, des petites baisses, des machins. Et pourquoi le point 3, il serait pas ici, etc. etc. Quand on regarde les vagues d'Eliot, je vous ai montré le premier graphique où on a des très belles lignes, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais à l'intérieur même de ces tendances, de ces patterns, vous avez des sous-patterns qui doivent exister et qui sont présents et que vous devez prendre en compte. Par exemple, sur cette première impulsion, vous allez avoir plusieurs zigzags. sur Entre notre 2 et 3, étant donné que c'est quand même... Normalement, une très grosse vague, vous allez avoir plusieurs impulsions, et à chaque fois, ça va vous permettre de temporiser un peu le marché, de temporiser la hausse pour mieux repartir juste après. Et ce qui se passe sur notre point 3, c'est qu'on arrive à un moment où on a plusieurs petits événements de marché, des ATH, des petites corrections, pour arriver à un moment où c'était à l'époque l'ATH de marché. On voit bien que c'est normalement un très beau point pour arriver une correction en 4, puis. Une explosion pour arriver encore plus haut en 5 et c'est exactement, exactement ce qu'on a juste ici. Donc on a toute cette montée jusqu'au point 3, petite correction jusqu'au point 4, encore une fois avec les petits événements de marché. Ensuite, explosion jusqu'au point 5 qui est la théâtre du Bitcoin, encore une fois des événements de marché. Et là, et eh bah ben, patatra, fin de la tendance. Et là, on rentre en tendance baissière bien vénère. On arrive au point A, on remonte au point B, et comme je vous ai dit juste avant, bah, c'est clairement le moment où les gens se disaient ah, le marché. Il y a le FOMO, le marché est haussier, ça ne peut pas s'arrêter. C'est un très beau point d'entrée. Donc, techniquement, si on est en marché haussier, oui, c'est un très beau point d'entrée. Ils sont rentrés ici et ça a essayé de tenir un petit peu la baraque. Et après, ça s'est cassé. Ça s'est cassé dans une grave vénère, euh, vénère jusqu'à arriver au point C. La fin de cette vague d'Eliot. Et pourquoi pas et eh bah ben, le début d'une nouvelle avec cette période de range après le crash FTX ou ici, Et continue une nouvelle vague, mais c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. Et là, je vous dis, bah, c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. Et vous allez me dire, bah. Là c'est facile, taille historique, c'est facile de dessiner, c'est facile de voir un peu comment se construit la vague d'Eliot. Déjà, on est clairement dans une configuration de vague d'Eliot, donc déjà c'est un bon point. Mais je vais essayer de vous dire et vous dire ce qu'on aurait pu faire tous ensemble à l'époque, au moment où cette vague d'elliott se construisait. Donc déjà, on va regarder un peu ce qui s'est passé. On arrive ici, première impulsion, on arrive au 1, on arrive au 2. Pour l'instant, on n'a pas forcément grande. Euh, grande indication sur ce qui peut se passer dans le futur avec les vagues déliotes on se dit pas encore ok là on est vraiment dans une construction de vagues déliotes ce qu'on peut se dire quand même c'est qu'entre le 1 euh, entre le hop, le début de notre tendance et le 1 si on trace ici notre fibo il y a une très grosse relation entre les fibo et les vagues déliotes et eh ben on se rend compte que notre point 2 il a bottom entre 0,5 et 0,618. pourquoi je vous dis ça parce que en règle générale entre le 1 et le 2 et entre par exemple le 3 et le 4, eh ben, vous avez un retracement de Fibonacci et le point entre 0,5 et 0,618, c'est des très beaux points d'entrée pour rentrer sur le marché avant une tendance haussière si on est dans une vague d'idiotes Donc là, on n'est pas encore sûr qu'on est dans une vague d'idiotes mais déjà, on, est, on a la cassure de notre, de notre range, on rentre en tendance haussière, on a une correction qui est en dessous du début de notre tendance, on se dit, ok, en plus le bottom est entre 0,50 et 0,618, donc déjà c'est une première bonne indication. Après on monte, très bien, on monte, hop, on monte, on arrive avec des petits événements de marché à l'intérieur, et c'est tout à fait normal, à l'intérieur de nos patterns, on a des sous-patterns, des petits événements de marché, des montées, des corrections, on arrive au point 3, et là... Et eh ben, on peut se dire, ok, là, je commence à avoir quelque chose. J'ai un certain ATH, ça commence à retracer relativement vénère. Ok, très bien. Et là, je me dis, ok, très bien, je peux être dans une vague d'Elliott et donc je vais m'amuser à retracer mon retracement de Fibonacci. Hop, je le retrace, je suis comme ça. Et là, vous dites, bon, moi, je considère, que je suis dans une tendance haussière et ça ressemble quand même vachement à une vague d'Elliott. Mais moi, je veux rentrer en position à un moment sympa. Donc, encore une fois, soit vous rentrez avec les supports résistances, soit vous allez utiliser les vagues d'Elliott et les Fibonacci. Et ben là. Vous vous rendez compte que entre 0,50 et 0,618, c'est encore un très beau point d'entrée pour entrer sur le marché. Et là, bah, il rebondit très clairement sur la ligne 0,618 de notre tracement de Fibonacci. Donc là, on se dit, OK, bah là, au, au, à ce moment-là, on est sûr qu'on est dans une vague d'Eliot, ou du moins, on est relativement sûr. On peut se dire que dans le futur, dès qu'on va arriver à un ATH, il faudra faire relativement gaffe à la cassure de cette tendance, puis la tendance baissière. Donc encore une fois, on rentre très bien en position. Vous pouvez rentrer en décès au niveau du 0,50 et aussi potentiellement mettre un ordre en 0,618. C'est un peu plus ballsy, mais ça peut plus payer euh, si vous êtes sur du long terme. Donc on rentre à cette position-là. On est à peu près sûr qu'il va se passer quelque chose de plutôt pas mal. Normalement, on doit faire un ATH parce que notre 5 est au-dessus de notre 3. C'est ce qui arrive, on fait un ATH. Et là, eh ben, on a fait un ATH. On peut se dire que bah, c'est peut-être un événement de marché à l'intérieur des petits patterns. Très bien. Donc on attend de voir, on attend de voir, on attend de voir. Et là on se rend compte quand même que le marché baisse fortement. Et donc si ça baisse fortement, on se dit clairement, ok, on rentre dans une tendance baissière, on va arriver au point A dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il peut être temps de vendre. Alors certes vous n'allez pas vendre au top, mais c'est très compliqué de vendre au top, très honnêtement. On est dans le FOMO, voilà, tout the Moon, ça veut la 100 000. C'est très compliqué de vendre à ce moment-là et je pense que pas beaucoup de gens ont réussi. À, avoir la, à, à tout vendre, du moins à leur vendre en partie parce qu'ils sortent au fur et à mesure, ça c'est tout, tout à fait normal. Mais sortir une gros, grosse partie ici en se disant ok, la tendance est terminée, c'est pas facile. Et donc là vous dites je suis dans une vague d'Eliott, je suis arrivé à mon point 5, tendance baissière qui commence, je vends, je vends à ce moment là, vous allez battre la plupart du marché en vendant à ce moment là. Et la point A. Est-ce que vous voulez trader les rebonds entre le A le B et potentiellement la baisse jusqu'au C, ça c'est à vous de voir, c'est du trading dans une tendance baissière, c'est clairement pas facile, vous avez des moments, vous avez des bougies qui n'ont aucun sens, donc c'est très dur à trader, mais déjà OK, sur les vagues d'Elliott, au tout début, c'est un peu compliqué de voir si c'est vraiment une vague d'Elliott, mais à partir du point 3, très honnêtement, le point 4 était relativement facile, relativement facile à deviner, rentrer en DCA, déjà ça faisait des très belles performances si on rentrait dans ces niveaux-là presque 100% sur le BTC et encore plus sur les altcoins donc vraiment c'est très intéressant donc sur les vagues d'Elliott vous pouvez très bien les tracer à la main vous pouvez les tracer à la main aussi en vous aidant de notre indicateur support en résistance automatique vous pouvez aussi très bien coupler tout, tout ce beau monde pour se dire bah là euh, là je vais essayer de vraiment rentrer au meilleur point d'entrée donc si vous voulez activer support résistance on se rend bien compte que Là, il y avait un très beau rebond, c'est-à-dire je peux rentrer en DCA au moment où j'ai des événements de marché à l'intérieur même de mes vagues d'Elliott. On voit bien, ça rebondit bien entre tout, tout ce beau monde. Et vous pouvez aussi rajouter des confirmations, par, par exemple, avec le volume anomalie. Donc, se dire, bah, moi, je vais me dire, ok, bah là, je vais rentrer en 0,618, c'était le, le Fibonacci juste là. C'est au niveau de mon support qui était déjà un support de l'époque, et en plus, et eh bah, j'ai une bougie verte deux volumes à la hausse en cassure de mon support plus en cassure excusez-moi plus en cassure mais il me dérange lui plus en cassure de mon fibo donc là une très belle indication pour reprise avec notre volume anomalie si vous ne voulez pas vous embêter à tout tracer à la main vous pouvez aussi essayer d'utiliser un indicateur alors il y a un indicateur qui est disponible un écateur, le Elliot Wave par Lux du qui fait énormément d'indicateurs. Et là, vous allez pouvoir repérer un petit peu ce qu'on a dit juste avant. Notre point qui est là, point 2. Point 3 qui a été dessiné juste ici, mais on aurait très bien pu le mettre au-dessus. Notre point 5 qui peut être mis là, mais là vous en avez plusieurs en fait. En blanc, vous avez une vague d'elliott en bleu, vous en avez une. En rouge, vous en avez une. Et donc après, vous filtrez, vous prenez ce qui vous intéresse et ce qui correspond à votre vision du marché en fonction de ce que vous tracez. Donc actuellement, on pourrait s'amuser à regarder. Alors pour l'instant, elles sont terminées. Mais là, on se rend compte qu'il y en avait des plus petites à l'intérieur peut-être d'une tendance beaucoup plus globale. Donc si vous voulez vous aider, vous pouvez passer par cet indicateur. Mais en général, je pense que ça peut être intéressant. Ça ne prend pas énormément de temps. D'essayer de deviner les vagues d'Eliot pour essayer de voir des meilleures entrées en position sur du daily, ça va pas vous permettre de trader très rapidement. Vous pouvez essayer de tester les Eliot Wave sur des timeframes plus petites pour pouvoir faire du trading un peu plus efficace, mais sur du buy and hold pour définir des points d'entrée intéressants pour le garder sur le futur. Je pense que les vagues d'Eliot peuvent vous aider fortement et je vous invite à aller voir plus précisément le principe derrière tout ça et l'utilisation encore plus poussée dans le trading. On n'est pas forcément des professionnels. On connaît euh, cette théorie. On voulait vous la présenter en plus des Fibonacci pour que vous ayez un peu plus d'outils à votre disposition pour votre analyse globale. Donc si vous avez des questions sur les vagues d'Elliott, sur les Fibonacci, sur nos indicateurs, sur les stratégies de trading, n'hésitez pas à nous les poser sur notre chaîne Discord. On répond à toutes vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez profiter des bonus sur Bill Gates et que vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à passer par notre lien d'affiliation. Et pour ma part, bah, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A toutes.